Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui. Alors, je vais aller zoomer au niveau de alors, pour les liens flamme jumelle, âme sœur, lien d'amour, nouvelle lune. Alors, je vais prendre. Un précieux conseil, message pour la nouvelle lune, lien d'amour, flamme jumelle, âme sœur. Ensuite, je partage le message carte. Là, c'est le précieux conseil, message, encouragement que vous avez à recevoir pour nos amis flamme jumelle, âme sœur, nouvelle lune, lien d'amour. Et ensuite, je partage un message carte et ensuite l'écrit du jour, comme toujours. Allez, on va voir. Alors. On vous recommande de passer du temps seul, là, durant, pour nos amis flammes jumelles, âmes sœurs, dans cette nouvelle lune, de passer du temps seul, dans la nature, de méditer, de faire des prières, des demandes, des souhaits sur vos désirs et vos. Ça peut être des intentions, par intention aussi, hein, sur tous vos désirs, tout ce que vous désirez. Pour moi, vous allez trouver une perspective positive dans cette nouvelle lune. Pour moi, vous avez déjà demandé à vos anges de vous aider. Vous allez trouver quelque chose. Il y a quelque chose de positif qui va arriver à vous durant cette nouvelle lune. Ok. Allez, la personne de votre cœur, votre lien au milieu et vous à droite. Flamme jumelle, âme sœur, lien d'amour pour cette nouvelle lune. Je prends ce magnifique oracle. Je me mets un petit peu sur le côté, la personne de votre cœur, votre lien au milieu et vous à droite. On va voir. Tout ce que je peux partager. Alors, pour cette nouvelle lune. Pour la personne de votre cœur, il y a quelque chose qui peut se terminer. Famille. Alors, ça peut être famille, ça peut être belle famille, ça peut être amis, ça peut être collègues. En tout cas, dans son cercle relationnel, un ou plusieurs liens peuvent se stopper. Il peut y avoir quelque chose qui stoppe. Ce stop, après, ça peut être dans le sentimental aussi. Après, ça peut être. En fait, ça peut être un seul lien qui se stoppe, ou alors beaucoup. Ça peut être peut-être une belle famille, tous les liens d'une belle famille, de toute sa famille. Il peut y avoir des choses qui se rompent. Quelque chose qui se termine. Ça peut être sur un lien, ou alors sur plusieurs, vous voyez? Ensuite, ça va pouvoir, il va pouvoir y avoir un déplacement comme ça. La personne, il y a quelque chose qui va se stopper. Ça peut être un événement qui fasse stopper en fait peut-être une belle famille. Ça peut être toxique, ça peut être négatif pour la personne de votre cœur. Ça peut être amical, ça peut être amical, ça peut être donc collègue. En tout cas, il y a un événement qui arrive dans son cercle relationnel qui va se stopper. Ça va se stopper. Il peut y avoir une justice divine, un appui des cieux très très fort, très très puissant, qui va permettre ensuite à cette personne de se libérer sur votre lien, de faire ce que cette personne désire sur votre lien, a envie d'entreprendre. Cette personne, pour moi, a envie de se déplacer, de faire un voyage aussi. Pas après, il y aura un voyage, vous allez pouvoir faire un voyage ensemble. En tout cas, cette personne va dans la foulée se déplacer. Vous, ça va vous apporter énormément d'émotions, des émotions positives que cette personne se déplace vers vous. Il y a la fin d'une ou plusieurs relations par un événement. Il y a un événement qui va mettre fin du toxique sur la situation de la personne de votre cœur, qui va lui permettre de se libérer. Et dans la foulée, cette personne va se déplacer vers vous. Va se manifester à vous, va revenir, va remonter auprès de vous sur votre lien. Et vous, ça va vous apporter énormément d'émotions. Ouais, il y a une séparation. Il y a une séparation de tout le toxique. Hein. Ça s'arrête, ça se stoppe par un événement. Ça peut être hyper puissant, c'est un appui des cieux. Une justice divine qui peut trancher. Ça peut être très ferme. Hein. Peut-être très ferme sur des choses qui ont été faites très ferme aussi, très dur. Hein, que cette personne a vécu des choses très fermes, très dures. Donc ça peut être une séparation aussi. Bah, à l'inverse, les personnes qui ont été très fermes, très dures,
que ce soit très ferme, très dur aussi pour ces personnes, par une justice divine, par un appui des cieux pour moi. Vous vous attirez. Durant tout le mois de mars, vous allez vous attirer énormément. Vous savez que vous avez un lien d'âme avec la personne. Vous ressentez aussi les émotions de la personne de votre cœur. Les émotions positives, négatives, la fatigue, etc. Ensuite, l'agitation aussi peut-être. Vous avez une attirance d'âme à âme. Vous attirez encore plus fort. Ça va être encore plus fort. Une fois que la personne de votre cœur va se déplacer, il y a quelque chose qui va se stopper. Ça peut être très vite, hein. Ça peut être même avant la fin de la journée. Ensuite, dans moins d'un mois, vous allez faire un voyage ensemble. La personne de votre cœur va se déplacer vers vous. Elle a vraiment une attirance d'âme à âme à vous. C'est hyper puissant et même en étant éloignée de vous, cette personne est collée à vous. Voyez, la personne de votre cœur va avoir un retour. Il y a un retour de cette personne juste après, dans la foulée, après tout ça. Vous avez une attirance. Comme si cette attirance avait encore grandi durant l'hiver. Il y a peut-être un déplacement, soit pour l'un, soit pour l'autre, qui est gelé. Mais ça va se dé... En fait, il n'y a peut-être pas le déplacement. La personne de votre cœur peut-être ne peut-être pas faire de déplacement vers vous. Mais en fait, là, ça va se stopper avec une séparation et une fin de tout le toxique. Par un événement qui va glacer, pour moi, ça va geler. Geler le toxique pour que cette personne puisse être libre de ses faits et de ses gestes, pouvoir se déplacer. Vous allez avoir du soutien. Vous apportez du soutien à la personne de votre cœur. Vous allez avoir beaucoup d'émotions. La personne de votre cœur va revenir très vite, hein, dans la foulée. Ça peut être la même journée, hein. La personne de votre cœur va se manifester à vous. Ça peut être se déplacer. Ça peut être par téléphone, mais cette personne... Vous allez soutenir la personne avec qui vous êtes en lien d'âme, vous vous attirez autant l'un que l'autre, vous êtes attiré par l'un par l'autre, vous allez vous soutenir. Vous allez avoir beaucoup d'émotions, de la joie aussi, vous allez être ému dans la joie, hyper positif aussi du retour de cette personne, soulagé peut-être. Autant l'un et l'autre, vous allez vivre ça comme un soulagement, une liberté. Et la personne de votre cœur va vous soutenir aussi. Il va y avoir quelque chose qui va revenir avant la fin du mois, juste après en fait que cet événement arrive. Ça va libérer du positif sur la situation de la personne de votre cœur. Il va y avoir un retour avant la fin du mois. Une bonne nouvelle liée à ça peut être l'achat, la location, la construction d'une maison. Attendez-vous à l'inattendu sur ce lien. Il y a des très jolies choses qui vont se réaliser. Vous allez avoir du soutien sur un courrier. Ça peut être des démarches administratives liées à cet achat, location, construction. Ça sera au printemps, voyez? La maison, là, ça sera au printemps. Il va y avoir un retour positif, juste après que la personne ait eu un événement qui sépare à tout jamais la personne de votre cœur de tout ce qui peut être hyper toxique pour cette personne. Il va y avoir pour vous, avant la fin du mois, un retour printemps, ce printemps. La signature, vous allez signer, ça va être triomphant. Alors, ça peut être signé... quelque chose de bancaire qui va réussir. Ça peut être la signature pro, financier, ça peut être du financier dans le professionnel. Il y a une signature de contrat qui va vous faire réussir et tout va se transformer. Entre vous, ça va se transformer entre vous pour moi. Il y a quelque chose qui va se libérer. Il y a du stress, tout le stress, tout ce qui vous stresse va se retirer.
et vous allez faire naître un nouveau projet ensemble, peut-être avant la fin de la semaine. Avant la fin de la semaine, vous allez avoir peut-être du financier, c'est possible, ou alors une réussite. En tout cas, vous allez signer. Hein. Ah, ça peut être dans la foulée. Hein. Un événement qui rompt à tout jamais le toxique et dans la foulée, parce que c'est très... ça peut être très urgent, et ben vous allez avoir une signature, vous allez réussir quelque chose, vous espérez quelque chose, vous faites des demandes, des souhaits, des prières, pour qu'il y ait peut-être une justice, il y a une justice divine en tout cas, hein, qui se met, hein, pour trancher sur le toxique de la situation de la personne de votre cœur, et dans la foulée, enfin très peu de temps après, vous allez déménager. Soit une location d'une maison, achat ou alors construction. Et ça va être inattendu parce qu'en fait, actuellement, ça peut être gelé. Mais je vois que vos situations respectives vont être pro-financiers, bancaires, vont être réparées. Il va y avoir une réparation, ça va être inattendu. Vous allez vivre d'intenses moments ensemble. Vous allez être rempli d'émotions et vous allez encore plus vous attirer. Vous n'allez pas y croire. Hein. Ça va vraiment être inattendu. Vous n'allez pas y croire. Hein. De cet achat, construction, maison, location aussi. Hein. Vous voyez, il y a des choses qui se libèrent sur des pertes financières, soit pour votre famille à vous, ou alors pour la personne de votre cœur. Ça peut être sa famille, ou alors la famille que vous allez fonder ensemble. Et ça peut être avant la fin de la journée. Vous allez fêter quelque chose. De toute façon, c'est surprotégé. Vous êtes surprotégé aussi. Dans la fin là, qui va se passer, vous êtes surprotégé et lié à ce qui ne vous fait pas plaisir dans cette fin toxique là. Donc en fait, tout ce qui est dans le toxique, tout va être réparé en fait. Hein. Tout ce qui s'est abattu sur vous dans tous vos domaines de vie va être réparé au centuple. Voilà. Et il peut y avoir un enfant aussi. Hein. Un bébé. Ou plusieurs. C'est possible. En espérant que ce message vous parle. Ici, je partage. Alors, flamme pour nos amis, flamme jumelle, âme sœur, nouvelle lune. Je peux avoir un événement. Alors, pour moi, là, ça peut être pour la personne de votre cœur. Donc, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Je peux avoir un événement. Il va y avoir un événement durant cette nouvelle lune. Ça peut être un petit peu avant, peut-être au moment, à partir du moment où je tourne cette vidéo. Mais ça peut être aussi dans cette nouvelle lune. Après la nouvelle lune, ça peut bouger aussi. Hein. Donc ça peut être avant la fin de la semaine. Ou alors ça peut bouger aussi sur la semaine d'après. Je peux avoir, donc pour la personne de votre cœur, ça peut être un homme, une femme. Je peux avoir, donc c'est possible pour moi. Je peux avoir un événement qui arrive pour vraiment libérer la personne de votre cœur, de tout le toxique. J'ai un événement qui arrive pour libérer, ça va libérer la personne de votre cœur de tout le toxique. Ensuite, la personne de votre cœur va se rapprocher de vous. Cette personne, pour moi, va se rapprocher de vous. Ça va permettre à cette personne de réparer tous ses domaines de vie, de réparer en profondeur, de ne pas faire de l'approximatif, vous voyez, d'aller vraiment sur ses domaines de vie, de réparer tous ses domaines de vie et surtout pas en approximatif, vraiment d'aller en profondeur, de réparer comme il se doit aussi. Tout ce qu'elle a besoin de réparer sur sa situation ou ses situations, un ou plusieurs domaines de sa vie. Donc pour moi, la personne de votre cœur va se rapprocher de vous pour réparer tous ses domaines de vie auprès de vous. Hein.
dans la tranquillité, dans la tranquillité, dans la paix, dans la tranquillité. Vous allez pouvoir, après cet événement, en fait, vous allez pouvoir vous rapprocher. Être tranquille aussi. Alors, pour vous, là, c'est pour vous maintenant. Hein. Le message, c'est pour vous. Vous pouvez être une femme, un homme. Donc là, j'ai parlé pour la personne de votre cœur. Je peux avoir pour nos amis flammes jumelles, âme sœur, lien d'amour, un miracle. Un miracle qui arrive sur vous. Pour vous. Il y a un miracle qui arrive sur vous. Un miracle qui va vous mettre, vous réparer, vous mettre en réussite. La réussite pour moi va être immense. On parle d'un miracle qui va se poser en réparation sur votre situation. Pour vous apporter quand il va y avoir un miracle, peut-être qu'il va permettre, qu'il va vous permettre un déménagement avec la personne de votre cœur. Ça peut être avant la fin de la semaine. Hein. Y a un rapprochement aussi de la personne de votre cœur et vous allez réaliser tous vos rêves, même les plus fous, ensemble. Attendez-vous à l'inattendu, vous voyez. Liez peut-être un courrier, vous allez réussir le courrier. Alors, c'est vous, parce que pour moi, vous allez avoir un miracle. Mais après, la personne de votre cœur va avoir de la réparation aussi, hein, pro, financier. Ça peut être un miracle, selon ce que cette personne... C'est pour ça, là, qu'il faut un rapprochement pour plus que ça soit dans l'approximatif. Vraiment, aller en profondeur sur ces domaines de vie. Ici, je peux avoir des choses qui sont en cours pour vous. Tout bouge lié à du financier dans votre professionnel, vous voyez. Ça peut être avant la fin de la journée, avant la fin de la semaine, et c'est hyper protégé. Vous allez avoir une bonne nouvelle, financier pro, et vous allez renaître. Après des problèmes, peut-être que vous avez eu dans l'administratif, ou alors qui ne vous permettaient pas peut-être de déménager, d'acheter, de louer, de faire construire, et là ça va être possible. Vous allez être épanoui. Vous allez être épanoui, vous allez tourner une page sur les hypocrisies ensemble. Il peut aussi avoir... Non, c'est tout ce que j'ai. Voilà. C'est tout. Oui, c'est tout. En espérant que tous ces messages vous parleront, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur la vidéo, j'adore vous lire. À vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À très bientôt pour les prochaines vidéos, messages, etc. etc. À bientôt, très belle journée.